Aujourd'hui, nous allons regarder de quelle façon il est possible de joindre le Meet de votre enfant. Donc, le point de départ, comme toujours, c'est le Classroom de votre enfant. Donc, vous vous assurez d'être logué ici avec le compte de votre enfant. Et vous allez voir que sur la page d'accueil comme telle, il y a un bouton qui dit « Rejoindre ». Il y a également un deuxième bouton caché sur la page de travaux et devoirs qui se retrouve en haut ici, mais les deux vont apporter au même endroit, c'est-à-dire avec le Meet, dans le Meet avec votre enseignant. Il faut juste vous aviser que si l'enseignant n'est pas dans le Meet encore, celui-ci ne va pas fonctionner. Donc, il faut absolument attendre que votre enseignant va être présent. Maintenant, on est prêt à participer. On va faire participer à la réunion. Et vous allez voir que présentement, je suis seul dans mon Meet. Il n'y a personne ici. Donc, bonjour tout le monde. Et je vais vous donner un petit tour guidé. Donc, la première chose, c'est les boutons qu'on a en bas ici. Donc, c'est ici qu'on va fermer notre micro et on peut même fermer notre caméra. Donc, une fois qu'on a ça de fait, il y a d'autres paramètres qu'on peut changer. On peut envoyer des messages. Donc, en haut ici à droite, il y a le clavardage. C'est ici qu'on peut cliquer pour ajouter des messages. Donc, bonjour, madame, comment ça va? Donc, tu peux envoyer des messages de cette façon-là à ta classe au complet. La prochaine chose qu'on peut faire, c'est on peut également changer l'apparence. Donc, si on clique sur les trois petits points qui sont en bas à droite ici, vous voyez que la mise en page, c'est une des options qu'on peut changer. Donc, si on veut être capable de voir tous les amis en même temps, on clique sur Mosaïque et là, on peut changer le nombre de personnes qu'on peut voir. Donc, si vous avez une très grande classe, il va peut-être falloir aller jusqu'à 30 là. Et là, vous allez avoir être capable de voir tous les amis en même temps. Une autre chose qu'on peut faire, encore dans les trois petits points, si on peut aller ici dans les paramètres. C'est ici qu'on peut choisir exactement quel micro qu'on va utiliser. Dans le cas, moi, j'ai un micro qui est avec un casque. Donc, ça, c'est celui que j'ai choisi. Mais tu peux aussi choisir ici quand on voit Realtek. Donc, ça, c'est le micro intégré dans mon portable ou dans mon Chromebook. Donc, ça se peut que vous n'avez plus qu'un. Vous avez qu'il y a aussi les haut-parleurs. Donc, ici encore, on peut choisir quel haut-parleur qu'on va utiliser. Vous voyez que moi, j'utilise encore une fois mon casque. Un conseil pratique, c'est choisissez toujours le haut-parleur et le micro qui correspondent au même appareil. En d'autres mots, si tu utilises un casque, tu utilises le casque pour les deux. Si tu utilises le Chromebook, utilise le Chromebook pour les deux. Sinon, on finit par se retrouver avec une tonne d'écho, puis ça sonne pas bon, ça sonne pas correct. Donc, c'est une des choses qu'on peut jouer avec. L'autre chose qu'on peut faire, c'est gérer la vidéo. Donc ici, on va choisir quelle caméra qu'on va utiliser, puis on peut même choisir la qualité qu'on va avoir. Donc moi, je vous suggère de choisir 360p. 770, l'image est un peu plus claire, mais c'est plus exigeant au point de vue de la machine. Donc c'est probablement mieux d'aller juste avec 360. Et la dernière chose qu'on vous permet de faire, c'est que vous pouvez aussi cliquer sur « Présenter maintenant ». Et ça, c'est comment qu'on fait pour partager un écran. Donc, si moi, je veux faire partager mon écran comme tel, montrer à mon enseignant qu'est-ce que je suis en train de faire, je peux choisir ça et puis je peux déterminer exactement quelle fenêtre que je veux partager. Puis, aussitôt que je clique sur « Partager », vous voyez que mon enseignant et tous les autres vont être capables de voir ce que moi, je suis en train de faire sur mon ordi. Donc, ceci termine notre petite tournée de Google Meet. J'espère que vous avez aimé ça et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.